Et salut à tous, bonjour, bonjour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yanné. Ce bâtard, il veut que toute la France m'appelle Yanné. Il m'a dit un jour, toute la France, elle va t'appeler Yanné, tu verras. Et c'est ça bien, marche. C'est bien Yanné. Non, ça vaut chill. Bon, Yann, c'est officiel, mais vous pouvez l'appeler Yanné si vous le croisez dans la rue. Aujourd'hui, j'ai préparé une playlist que je vais partager avec vous. Et ce qui est bien, c'est que cette playlist, elle sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Deezer, Spotify, Napster, etc. Il y a juste à cliquer sur le lien en barre d'infos et aller vous abonner à ma playlist. Je mettrai régulièrement des nouveaux sons, peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je rajouterai des sons, j'en enlèverai, on se mettra au bout du jour. Parce que la playlist que je vous partage aujourd'hui, c'est une playlist de sons récents. C'est du rap français en grande majorité, parce que c'est ce que j'écoute le plus à l'entraînement. C'est mes goûts personnels, donc ça sert à rien de dire « Ah bah non, fallait mettre ci ou ça ». Parce que c'est mes goûts à moi, donc je mets ce que moi j'aime écouter pendant l'entraînement. J'écoute plein d'autres styles de rappeurs, mais en dehors de l'entraînement. À l'entraînement, il faut un truc sale. J'aime bien quand c'est hard, quand c'est hardcore. Quand c'est du sale, quoi. Du sale, gros. Parce qu'on fait du sale à la salle, alors on fait du sale dans le son. Chips. Ok. Tu veux des chips? Non, c'est quoi? T'arrêtes de... Tu sais, quand il y a un truc en même temps, tu penses qu'au mec, il arrête de parler. T'es décrédibilisé devant tout le monde. D'accord. Tu sais, il pensait que t'étais un Renoir et ouais, et tout. Je suis un Renoir à l'ancienne, quoi. Chips, il m'a dit. Kin. Tu connais pas, gros? Ah, tu connais. Bref, on attaque avec le premier son. Donc, le premier son, c'est un son de Joke qui vient de sortir au moment où je fais la vidéo et qui s'appelle Vision. Donc, je vous le mets tout de suite. Et l'instru est très très sombre. Faut que tu danses, gros, je mets le son, faut que tu danses. Deuxième son, c'est un son qui ambiance un peu plus et c'est Mac Tailleur avec Que Black et le son c'est Fais les danser. Là, on est encore dans l'échauffement. Vision de Joke, fais les danser Mac Tailleur, ça monte progressivement et après on part dans le sale. Donc, le son suivant, c'est Booba, non, Ben H featuring Booba sur l'album de Ben H et c'est Ghetto. Et le son suivant, il va y avoir plusieurs sons de cet artiste, donc je les mets tous d'affilée. Dans la playlist, ils seront pas d'affilée, mais c'est juste pour que j'ai pas besoin de le représenter à chaque fois. C'est Rimka, donc son dernier album, c'est une dinguerie, il s'appelle Fantôme. Et le premier son que j'ai choisi de cet album, c'est Rien de lavable avec SCH. Ah, c'est lourd! Tu rencontres mon son et pas mon tapis. Silencieux comme le crime organisé. Silencieux comme le crime organisé. Je leur ferai une offre qui pourront pas refuser. Appel Gay, on me connaît d'autres paris. Je la monte en l'air sur le ciné. Deuxième son de Rimka, Sons of Anarchy. Rimka qui gère bien l'autant du la mort. Pas gentil ça. Troisième et dernier son de Rimka, c'est Cité Dortoir, il est lourd de fou. Je voulais m'intégrer, voulais pas de moi. Pour un job, faut faire quoi? Braquer pour l'emploi, je serai jamais l'employé du mois. La haine qui brille dans les yeux. Ah désolé, j'ai dit dernier son de Rimka, mais il en reste encore un. C'est un feat avec Esprit Noir, Esprit Noir que j'aime beaucoup aussi. On attend l'album d'ailleurs. Ensuite, on enchaîne avec un artiste que j'aime encore beaucoup, qu'on suit depuis très longtemps et qui a explosé il n'y a pas longtemps, mais ça fait bien 10 piges qu'il est dans le rap. C'est Sofiane et qui est Fianso. Tout le monde s'en fout. Elle est mortelle celle-ci. Et je voulais juste dire, pour ceux qui ne savent pas, dans le clip, le petit qui danse, c'est le fils de Joestar. Ouais, mais je savais pas. Merci. Merci Alex. En plus, il te ressemble un peu. Tu se mets...
J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, j'suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas la guéenne, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, j'm'en bats les couilles. Hier à tout. Deuxième son de Sofiane, c'est Nous les Condés. Très très lourd aussi. Des gros sacolades avec des gros enculés qui pèsent. Moi, sœur, en gros, des armes à mon fils. J'suis mort dedans, j'fais que du beurre. Frérot, j'galère, j'suis porté par l'équipe. Fin des talons. Le son suivant sort du rap français, c'est du rap italien, ça vient de Milan, il s'appelle Sfera e Basta, j'avais déjà mis des sons de lui dans une, mix, dans une playlist précédente, et là il a sorti un son qui s'appelle Dexter, mortel. L'artiste suivant, il est encore italien, d'origine marocaine, et il s'appelle Galli. Le premier son, c'est Nina Nana. Deuxième son du même artiste, ça s'appelle Pizza Kebab. T'aimes bien les paroles? Ouais, j'adore. Et on continue avec un autre rappeur italien qui s'appelle Marrakech et le son s'appelle Salvador Dali. Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro l'infernale, sono impazzito di vincere quadri. Salvador Dali. Salvador Dali. Ensuite on repart sur du rap français et là c'est un artiste aussi que j'aime beaucoup. Ous il s'appelle et le son Gros Mytho, c'est il me semble que c'est un featuring avec Naps ou un truc comme ça. On dirait Alonso. Allez lourd, ouais. Ensuite, on enchaîne avec un Lafouine chargé. Lafouine est revenu fort et franchement, ça fait plaisir. Ce son, il est lourd. Ouais, il est lourd. Lourd. Franchement, il en avait marre de chantonner. Il a dit faut que je fasse un truc sale. Ouais. Et j'aime bien parce que le refrain, il est très afro-trap et quand ça repart dans les couplets, ouais. C'est chargé, en plus là tu es obligé de charger. La machine est chargée, les haltères sont chargés, la machine est chargée. Tout est chargé. Ok, on enchaîne le son suivant avec Booba, Daniel Sam. Le son il est puissant, il est pas super super récent. Il est quand même, il est sorti il y a pas super longtemps non plus. Mais c'est une tuerie. Tu charges à la salle aussi avec. Ah ouais, il est lourd de ouf. Et vous voyez très bien que leurs clash, tout ça, on s'en fout complètement. D'ailleurs, vous devriez faire la même chose. Écoutez la musique, si elle vous plaît. Ah là, la froide quand elle part. Franchement mortel, celui qui fait la prod, c'est un pote à Shark, à lui dire c'est Explosive Beats, il a tout démonté et il m'a fait une prod pour mon projet qui sort en juin, ça va être une dinguerie. Il est lourd, le son est lourd. Et du Explosive, ouais. C'est très lourd. Le son suivant, il est très très lourd aussi, c'est Ornette La Frappe en featuring avec Ous que vous avez déjà entendu dans un son précédent. Le son il est mortel. La rebune, la trois c'est crapuleux. C'est comme ça tu fais qu'on fasse à Dieu. Je veux la même que Dieu. Il y a ça, hein. Ouais, moi j'aime bien. Bon, le son suivant, le mec est sale, le son est lourd, on était obligé de le mettre. C'est Blow de Caris. On a déjà tout cramé. Je plane comme l'avion de Pablo. 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 Ensuite, on enchaîne avec un son de Lacrime. Le son, c'est Traître. C'est le premier son qu'il a fait. Depuis qu'il est sorti, il est puissant. Il est énervé. On sent qu'il est énervé, le mec. Il a la mort. Le son suivant, c'est Nekfeu en featuring avec Sneezy et Esprit Noir. Le son s'appelle Saturne. C'est une dinguerie. Ensuite, on enchaîne avec Medine qui a sorti Prosélyte, son dernier album. Il est surpuissant. Le premier son, c'est le Cannes.
Je crois que c'est le nom de son fils, d'ailleurs. Fuck un astéro, il porte mon nom. C'est jamais les premiers qui jouissent de leur terre. Ni le premier spermatozoïde qui féconde. Dégage de ma ville comme de la Villardière. Bien sûr, j'étais obligé de mettre Grand Paris de Medine en featuring avec, alors dedans, si j'oublie personne, il y a Sofiane, Youssoupha, Seth Gecko, Alivor, Medine, et j'en oublie un. Il y a l'artiste. Ouais, l'artiste. Oui, il est énervé. L'artiste, et attendez, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bah dites-moi dans les commentaires si j'en oublie un, mais en tout cas le son il est puissant, très très puissant. Autant pour moi, je suis désolé, j'allais oublier Lino, on peut pas oublier Lino. Sa voix, elle est pas une aperçue. Donc, il y avait Lino aussi dans Grand Paris. Personne pour faire la part des guerres, jamais qui frère ramasse pour que la masse se bouge. Dans ma rue, c'est la guerre, ça grouille, je suis des frères sans bruit pour des crasseuses de souche. Le couplet du Youssoupha il est dingue. C'est la même langue, très il parle du placenta. C'est et bien sûr, je vous ai gardé quand même un son tranquille pour les étirements. Vous n'allez pas vous étirer en écoutant un truc qui tape. Donc j'ai choisi un rappeur qui s'appelle... Alors, je sais pas si ça se dit Lailo ou Lailo. Et le son s'appelle 10. Par contre, il faut aimer l'autotune. Hein. Bon, en même temps, si vous n'avez pas l'autotune, vous avez déjà quitté la vidéo. depuis le premier son, ils ont quitté la vidéo. Mais ouais, franchement, il est super lourd. Je crois que c'est un Toulousain. Le son, il est... Pour moi, il est magique. La prod, le mec, c'est le gars. Gros style. C'est que je t'ai suivi, moi. Y'a plus une seule rose dans le bouquet final. Moi, Malia, je suis pas... Et bien sûr, pour terminer, je vous rajoute un son qui est pas dans ma playlist, vous le retrouverez pas, parce que c'est une personne qui ne met pas ses sons sur les plateformes de téléchargement, qui s'appelle Yann Officiel, mais vous pouvez appeler Yanné. Oh, il est bon lui, ce con. Le temps et moi, ça glisse, je suis entré dans ta vie sans frapper, excuse-moi, miss. Mon bébé ne part pas, j'ai trouvé tout pour la retenir, sombre comme dans un carplage. Allô bébé, s'il te plaît, réponds-moi, j'arrive pas à m'endormir. Oh, il a créé une petite chorégraphie, c'est bien, gros, t'aurais dû venir dans mon clip. Mais gros, tu m'as pas invité, t'es dans tu t'es mis en caleçon dans le jacuzzi tout seul. Bon ben voilà, c'était ma playlist, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos playlists à vous, à donner des idées aux autres, à moi. Que tout le monde puisse partager, mais ça sert à rien de critiquer les avis des gens. Si les gens ont envie d'écouter Laurie à l'entraînement, ils écoutent Laurie. S'ils ont envie d'écouter Joule, d'ailleurs j'aurais pu mettre un son de Joule qui s'appelle Borussia, il est surpuissant, bah, vous écoutez Joule. D'ailleurs ça m'a toujours fait planer le Joule, le mec il vend des milliers et des milliers d'abonnés, mais personne n'écoute. Moi aussi j'ai... En fait les gens ils écoutent que en scred. Non mais c'est lui qui achète ses propres trucs. Ah d'accord, ok. Non, faut dire, il est lourd, il y a des sons de Joule qui sont lourds, enfin, que je trouve lourds. Voilà, après écoutez ce que vous voulez. Il y en a plein, en général, ceux qui crament le plus, j'ai remarqué, c'est ceux qui, soi-disant, écoutent du vrai rap, quoi. À l'ancienne, que... En fait, que les mecs, ils disent, ouais, le rap, c'était mieux avant, ou ils écoutent du old school, ou que des sons sur des samples de jazz, des machins. C'est bon, c'est vrai. Nous on écoutait du rap à cette époque, on écoute du rap depuis très longtemps, donc on n'a pas envie de réécouter ce qu'on écoutait il y a 10 ans. Ça change, après, bien sûr, vous avez le droit de kiffer, vous avez le droit d'aimer, mais j'ai remarqué que c'était souvent des gens qui écoutaient ce genre de son qui est très bien. Il y en a qui sont super forts hein. Dans le old school. Il y a Aladdin 135, bien sûr, Nekfeu, bon, j'ai mis un son ici, il y a L'Entourage, Jean Burbigo, il y a des mecs qui sont chauds en mode old school, mais. C'est pas mon délire, en tout cas, pas pendant l'entraînement. D'ailleurs, t'as vu le son à Joule, Salivé? Joule, parce que Yanis, il avait fait un son qui s'appelait Salivé. J'ai fait un son qui s'appelait Salivé, il a fait pareil, il a fait le même titre. En fait, il a pris juste le même titre. À un moment, il dit Salivé, Salivé, comme moi, je dis Salivé, Salivé. tu te rends compte? Salivé, Salivé. Je suis Salivé, Salivé. Bien sûr, si vous voulez voir tous mes sons et les featuring aussi que j'ai fait avec Yanis, il y a une playlist sur la chaîne Alex et PJ qui s'appelle Antar, A-N-T-A-R. Vous retrouvez tous mes sons dedans. La plupart sont en téléchargement et sur les plateformes. Mon projet sera en juin. J'espère en tout cas vous allez kiffer. Abonnez-vous à la playlist parce que je vais régulièrement rajouter des sons, en enlever. Et il y aura des surprises. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Alex et Yanné. On se dit à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la chaîne.